Bonjour, je m'appelle Malika Djoudi. Donc j'ai participé à ce documentaire qui est diffusé aujourd'hui dans le cadre du festival Migration à Saint-Avold. Donc j'ai participé à ce documentaire qui s'appelle « Parcours et mémoire de femmes » qui dure 52 minutes, je crois, à peu près. Donc j'étais interviewée, effectivement. Je n'avais pas vu le film jusque-là. Nous étions interviewés en 2019. Il y a eu le Covid, donc effectivement, il y a eu du temps qui s'est passé. Et dernièrement, j'ai eu la grande surprise que l'ATMF m'appelle pour me dire que nous diffusions ce film. Alors je l'ai vu la semaine dernière à Nancy, il a été projeté à Nancy, au Centre culturel André Malraux. Et donc aujourd'hui, il est diffusé à Saint-Avold. Et comment vous dire, j'ai été agréablement surprise, bien sûr, j'appréhendais. Bonjour, je suis Kamel Mad. Je suis ici à Saint-Avold à l'invitation du festival Migration et de la TMF 57, qui est l'organisateur de ce festival, pour présenter un documentaire que j'ai réalisé. Alors son histoire est un peu compliquée puisqu'il a été réalisé, tourné du moins, bien avant le Covid, dès 2019, sur une période d'un an à peu près. Et il était prêt avant le Covid, il était prêt à être diffusé au mois de mars, mais le mois de mars est arrivé le confinement. Du coup, le film est resté dans les tiroirs, et puis après, les projets qui étaient en cours étaient prioritaires et tout ça. Et donc, c'est seulement cette année, presque ce mois-ci, qu'on fait vivre ce film. Alors ce qui est bien aussi, ce qui est fabuleux même, c'est que il n'a pas vieilli d'un pouce, hein, donc les 3 ans ne se sentent pas. Donc c'est un film de témoignage de femmes, que de femmes, issues de l'immigration. Plutôt l'immigration maghrébine. On avait quelques autres témoins, mais d'autres origines. Et à un moment, ça a été compliqué dans le montage du film à faire un peu une logique, à avoir une cohérence. Donc on a préféré à un moment faire le montage que sur ces femmes d'origine maghrébine. Certaines nées au pays, certaines nées en France, et de plusieurs âges, des personnes assez âgées, de la première génération, on va dire, et jusqu'à des personnes de deuxième, même presque troisième génération pour une personne. Ce film a été instigé par l'ATMF, mais de Nancy, à Vendeuvre. Et on a donc du coup dans le film, on a plusieurs personnes qui viennent de Lorraine en fait, de Lorraine au sens large, puisqu'il y a des gens évidemment de Nancy, mais aussi des personnes, une personne par exemple de la région d'ici, de Saint-Avold, Wafa. Donc le documentaire, il y a 7 femmes qui s'expriment. C'est un film d'une heure, de 50 minutes, et l'idée c'était vraiment qu'elle leur donnait la parole, de les écouter. C'est pas un film avec des effets, c'est vraiment très sobre. J'ai choisi une mise en scène très sobre et qui s'attache vraiment à mettre en valeur la parole de ces personnes qui, beaucoup n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer aussi longuement pour arriver à dire des choses un peu plus subtiles que des généralités. On peut dire qu'il s'agit de témoignages intimes, très personnels. Oui, l'idée c'était de sortir du général, donc c'était en fait... On arrive à être plus pertinent, moi je trouve, quand plus on va dans l'intime, dans la personnalité de chacun et dans la différente personnalité de chacun, et plus on va toucher les gens, parce que certains vont s'y reconnaître, mais c'est pas grave s'ils s'y reconnaissent pas. Et sur les 7 personnes, l'identification à des moments va jouer. Et ça permet aussi de faire vivre le film dramatiquement aussi, c'est-à-dire que on n'a pas peur des contradictions entre personnes. On peut avoir le même discours à un moment sur tel sujet, et puis à un moment, il peut y avoir 3 ou 4 témoignages qui sont très différents l'un de l'autre, et je joue aussi avec ça au moment du montage. Est-ce qu'il y a, un sujet spécifique qui est abordé dans ce témoignage ?
L'idée c'était vraiment de... moi j'ai une approche du documentaire assez particulière, c'est-à-dire qu'on part déjà de ce qui est dit et après c'est au moment du montage que le film se construit. Donc évidemment il y avait des sujets inévitables comme l'arrivée en France ou l'enfance pour ceux qui sont nés en France. Il y avait l'éducation aussi parce que c'était des femmes et le rôle de l'éducation est très important et comme porte de sortie aussi de l'enfermement entre guillemets. Et donc les sujets se sont trouvés tout seuls. Donc il y a des parties pour qu'on connaisse les personnes et qu'on s'y attache. Ben voilà, elles racontent un peu leur vie pendant leurs premières années pour qu'on sache à qui on a affaire. Et puis après, très vite, on va parler de sujets qui sont venus pendant les entretiens et qui tenaient à cœur à ces personnes-là. Donc on parle de, je disais, de l'éducation, on parle évidemment de la discrimination, hein, c'est des sujets très importants. Et puis aussi on essaie de se demander, ben voilà, que est-ce que devant ces injustices, on fait le dos rond ou alors on rase les murs comme les parents parfois de la première génération faisaient, ou alors on peut aussi se révolter, y compris contre la famille, si on veut s'épanouir et voler de ses premières propres ailes et faire des études et voilà. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces femmes, un point que vous avez peut-être remarqué ou s'il y en a d'ailleurs? Moi, elles sont très différentes et comme je vous disais, moi, c'est pas tant le fait d'avoir un portrait un peu unique qui m'intéresse, mais c'est de voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sente que chaque personne a son propre vécu, a sa propre histoire et que chacune a une personnalité complexe. Donc là, on la touche un peu. Je dis pas qu'on comprend la personnalité de chacune, mais c'est ça qui est important. Et après, chacun est différent et ça oblige un peu parce que souvent dans les discours politiques, dans les discours qu'on entend dans le café du commerce, c'est les Arabes, les immigrés, les réfugiés, les migrants maintenant. Et sans qu'on aille vraiment dans le... Voilà, c'est un lot et quand on écoute ces personnes-là, ben on s'aperçoit que c'est pas du tout que chacune est très très différente, a un vécu très très différent. Certains ont souffert, d'autres ont vécu sans aucun souci et voilà. Remarque déjà, ce qu'on peut noter, c'est que moi-même, bon, je suis issu de l'immigration puisque je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'ai passé énormément d'années en France, je ne vais quasiment pas dans mon pays d'origine, mais je suis arrivé déjà en tant qu'immigré, donc voilà. J'étais ce qu'on appelle la deuxième génération. Cette question de l'à-propos de tel sujet, alors que voilà, il se passe... Peut-être pour vous faciliter peut-être la réponse, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez une évolution sur la question de l'immigration telle qu'elle avait été abordée dans l'actualité, les journaux, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et maintenant? Ou alors pas du tout, c'est presque l'histoire qui se répète en quelque sorte. Alors justement, parce que c'est ce qui fait, je disais, donc la pertinence du film aujourd'hui, c'est qu'on voit des témoignages de personnes parfois âgées, hein, dans les témoins, qui vont parler de leur expérience quand ils étaient jeunes ou jeunes adultes, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et elles racontent des choses que des jeunes, on a commencé à projeter le film et on a eu des discussions avec les jeunes qui regardaient le film, que des choses qu'on entend aujourd'hui par rapport à ce que peuvent vivre des jeunes ou des jeunes adultes. Et là, on se dit, mais attends, mais il y a quelque chose. On est en train de stigmatiser les pauvres jeunes de banlieue ou des cités, ou ce qu'on appelle les cités à problème et tout ça, en leur disant, oui, mais c'est de leur faute, ils font le con et tout ça. Alors que là, ce qu'on comprend avec le film, en fait, en regardant le film, et on en a débattu beaucoup pendant les après-projections,
Ben c'est qu'on s'aperçoit que c'est un cercle qui revient, qui revient, qui revient, et que dont ont souffert ces femmes déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, et dont souffrent encore les jeunes, et on se dit mais pourquoi ça ne s'arrête pas ? Une des participantes nous explique dans le film que justement, dans ce coin-là, Saint-Avold, Forbach, il y a des gens qui sont de la quatrième génération maintenant. Leurs parents sont arrivés, donc leur grand-père était déjà français. Déjà, et ils n'étaient plus du tout algériens, marocains, et ils continuent à parler d'eux comme étant d'origine algérienne, d'origine marocaine, et ben voilà la raison de ces problèmes-là. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans le film, et j'espère qu'on va beaucoup le présenter dans des collèges, dans des lycées, même dans des collèges, parce qu'il faut prendre le problème très tôt, je trouve. C'est que, ben voilà, c'est essayer de déstigmatiser les jeunes, leur dire mais c'est pas... Bon, évidemment, il y a toujours deux, trois, mais comme dans toutes, c'est pas un problème d'origine qui est un peu de délinquance, un peu de soucis, mais... C'est pas de leur faute, et il y a vraiment quelque chose qui se passe en France qui fait que ça ne bouge pas, ça reste comme ça, ça arrange beaucoup de gens que ça ne bouge pas, voilà. Et le message du film, il n'y a pas vraiment de message, hein, on n'essaie pas de répondre à des questions, mais la dernière intervenante du film lance un peu le problème en disant la réponse au problème, c'est aux jeunes maintenant, c'est par le vote, c'est par l'implication militante dans des associations, dans des partis, dans des syndicats, qu'ils vont réussir à faire bouger les choses. Voilà. Donc c'est assez pessimiste, même si. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on montre des personnages, des personnes sagittonnées aussi, déjà qui s'expriment dans un parfait français, ça c'était important aussi de montrer ça. Donc, où elles n'ont pas de soucis d'intégration, elles ont fait des études, pour beaucoup, hein, pas toutes, mais voilà, mais on se dit, mais pourquoi il y a encore ces problèmes ? Alors, si en plus on rajoute le fait d'être femme, en plus d'être d'origine maghrébine, avec tout le poids aussi des mœurs, du social, de la société, voilà. Ça fait beaucoup de choses, et en même temps, il y a une leçon de courage dans ce film, et ces personnes, hein, on a des personnes qui sont profs, il y a d'autres, il y en a une qui, entre-temps, c'était pas au moment du tournage, mais après le tournage, bien après le tournage, s'est fait élire présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, donc voilà, c'est pas rien, mais elles nous racontent quand même leur parcours fait, hélas, de beaucoup d'embûches. Alors bon, c'est donc par rapport au Festival Migration, bon, je connais le nom déjà depuis pas mal d'années. C'est la première fois où j'assiste à des choses. Hein, donc j'ai réussi à voir quand même une pièce de théâtre aujourd'hui, cet après-midi, qui parlait des réfugiés de maintenant, justement, des réfugiés, des migrants, syriens, soudanais, afghans. Et voilà, donc c'était une pièce de théâtre. Et là, donc, il y a une projection, il y a eu d'autres films, il y a eu plein de choses. Donc ça, évidemment, ça ne peut être que... intéressant, et ce qui est intéressant dans le Festival Migration, c'est le S qui est à la fin de Migration, quoi. C'est justement par la diversité de la proposition de ce festival, c'est de montrer que c'est comme je disais tout à l'heure par rapport aux personnes, c'est pas un truc général, on peut pas parler de la migration, des migrants juste en disant des migrants au pluriel comme un ensemble, non, il y a plein de migrations très différentes, que ce soit par rapport à l'histoire, au passé, au présent, que ce soit aussi par rapport à la géographie et puis aux problèmes. Et on l'a bien vu quand même l'année dernière avec la migration ukrainienne en même temps que la migration par les bateaux venant de l'Afrique subsaharienne. Et donc par rapport à la TMF, le film est produit par la TMF 54. Il a été présenté en avant-première au congrès de la TMF nationale à Paris cet hiver, et il circule, hein. Juste avant Saint-Avold, j'étais invité par la TMF de Gennevilliers en banlieue parisienne. Il y a d'autres ATMF qui sont intéressés par le diffuser. Donc là, on s'aperçoit vraiment qu'il y a un réseau national qui est très fort et par rapport à leur lutte qui est vraiment intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'histoire aussi de la TMF, parce qu'ils ont commencé comme association des travailleurs marocains ou maghrébins, vraiment. Et puis après,
ben voilà, il touche à beaucoup de choses, et on en parle un peu dans le film aussi, il touche aux droits, il s'intéresse aux droits des personnes, hein. Ils font des actions par rapport au soutien scolaire, et plein de choses aussi très, très, enfin, dans le domaine culturel et social.